Karin Leuenschwander, quel est le sentiment à l'issue de ce match forcément un peu spécial pour vous? Oui, un peu spécial, mais disons que le sentiment qui prédomine, c'est la déception, la frustration également, parce que je pense qu'on avait matière à battre cette équipe de Lugano avec un peu plus de maturité, je dirais, un peu plus de réalisme également. La différence dans cette série, elle n'était pas si grande que ça, mais quand même, Lugano a toujours donné le sentiment d'avoir une petite marge. Oui, sur l'ensemble de la série, c'est exactement ça. Après, quand on parle de... Avant de commencer une série, on parle souvent de détails. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé sur ces 5 derniers matchs. Si on regarde un peu... On a beaucoup parlé des statistiques. Et Lugano a fait une chose qu'on n'a pas faite. C'est de mettre beaucoup de goals, beaucoup de pucks sur le goal adverse, puis d'aller chercher les rebonds. Ça, on l'a pas assez fait, eux, ils l'ont bien fait. Il n'y a pas que ça, forcément, qui a fait tourner la série en leur faveur, mais c'est pour moi un point important. Non. Si on regarde la saison dans l'ensemble, il y a une déception d'être éliminé aussitôt dans la saison, mais quand même, Fribourg-Gotteron, 5e, qui est passé par des moments difficiles, il y a des choses positives. Bien sûr, sur l'ensemble des 9 derniers mois, il y a du positif, bien sûr. Après, quand on arrive en play-off, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours plus. Donc là, forcément, il y a beaucoup de déceptions. Mais je pense que pour le club, pour l'avenir, c'est une bonne base pour la saison prochaine. Et personnellement, ça s'arrête? Le hockey professionnel, c'est fini aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ressent? Pour l'instant, c'est comme un match habituel, match normal, je dirais. Je pense à venir dans le courant des prochains jours, des prochaines semaines. Pour l'instant, comme je disais avant, il y a beaucoup de déceptions par rapport à notre élimination. Merci, on tâchera de vous retrouver pour faire le point une prochaine fois. Merci.